On m'a laissé une demi-heure, je crois, pour présenter un travail du Conseil de développement de l'agglomération toulousaine que vous pourrez trouver ici, qui est un travail qui date déjà d'il y a 3 ans et qui est une contribution du Conseil de développement aux élus de la métropole pour aller vers un projet de territoire où les territoires fertiles seraient au service du projet métropolitain. Alors, je dirais que ça date d'il y a 3 ans. Tout à l'heure, Montpellier nous a montré où ils en étaient il y a 3 ans. Je dirais que nous, 3 ans après ce document, on voit au travers de ce qu'a présenté Camille Dumas qu'il y a une embryon de prise de conscience et d'action, mais on est encore à l'état embryonnaire. Et Montpellier est encore loin devant nous. Voilà. Pour situer à peu près où on est aujourd'hui. Alors, ce document, effectivement, est un document. Le Conseil de développement n'a qu'un pouvoir de persuasion. Il n'a aucun pouvoir de décision. Il est le Conseil de développement, c'est 250 personnes de la société civile, avec un spectre extrêmement large qui va des institutions, de l'ensemble des forces économiques, associatives des personnalités diverses, enfin donc un large spectre de la société civile, qui ne peut que se saisir ou s'auto-saisir des questions politiques que pose la métropole. Donc la métropole saisit le Conseil de développement régulièrement sur un certain nombre de sujets, les transports, l'urbanisme, etc. Et puis le Conseil de développement s'auto-saisit sur des sujets qui semblent ne pas intéresser suffisamment la métropole pour qu'elle passe commande. Donc c'était le cas, en tout cas il y a 3 ans, sur les territoires fertiles. Il n'y avait pas de commande et donc le Conseil de développement s'est mis au travail, un groupe de travail qui a comporté jusqu'à 50 personnes. En général, les membres du Conseil de développement qui étaient déjà actifs dans la vie citoyenne, voilà, ça a été le gros de ce groupe de travail. Et on a débouché sur cette plaquette, donc je vous invite à prendre, il doit y en avoir à peu près autant que de personnes présentes ici. Donc autour des territoires fertiles. Alors d'abord, ce qu'on a expliqué aux élus, c'est quoi les territoires fertiles? C'est tous les territoires de la métropole qui sont non urbanisés et non imperméabilisés. Hein, donc c'est une fertilité au sens large. Ce document dit qu'il faut d'abord les considérer comme des biens communs. Donc cette idée de bien commun est une idée qui n'est pas tout à fait installée dans cette métropole, en tout cas. Que ces territoires fertiles ils contribuent à l'identité de notre métropole, et que donc les reconnaître et les caractériser, c'est extrêmement important. Et qu'ils forment une mosaïque d'espaces agro-naturels qui aujourd'hui, dont les potentialités aujourd'hui sont très largement sous-employées et sous-valorisées. On a repris effectivement du Scott de Montpellier l'idée que dans les documents, pour fabriquer les documents d'urbanisme, il fallait inverser le regard. On n'en est pas encore là. Il y a quelques élus qui commencent à être convaincus, mais globalement, puisqu'on attaque une révision du SCOT, on va dire que cette idée d'inversion du regard a avancé, mais elle n'a pas convaincu la majorité des élus. Hein, voilà où on en est. Je pense qu'on en est où vous en étiez en 2011, on va dire, pour être optimiste. Voilà. Alors, en quoi ces territoires sont fertiles? C'est ça qui est important. Ils sont fertiles parce que il y pousse de quoi nourrir les habitants. Et on a en particulier de très nombreux secteurs inondables dans l'agglomération toulousaine qui, pour l'instant,
sont considérés comme des problèmes et nous, on pense que, au contraire, c'est des solutions. Les territoires inondables, c'est les territoires fertiles. Mais ils sont fertiles parce qu'ils y poussent également des projets portés par les semeurs. Je pense qu'une des caractéristiques, on l'a vu au travers de ce qu'a dit Camille, que les projets aujourd'hui sont encore trop peu des projets qui font suite à une impulsion politique, mais sont souvent des projets portés par des citoyens. Et nous, ce qu'on dit, c'est que ces territoires fertiles ont vraiment la capacité de porter des projets nourriciers, d'économie agricole de proximité, on l'a vu, et que ça doit être le moteur pour s'intéresser à ces territoires, mais également des projets extrêmement variés sur la santé environnementale, des projets sociaux, éducatifs et récréatifs, comme on le voit avec les jardins, des projets paysagers, culturels, touristiques. Aujourd'hui, on a non seulement une agglomération toulousaine qui est composée de trois grandes intercommunalités, ce qui est un problème majeur, donc trois politiques, trois visions différentes de ces territoires fertiles. À l'intérieur de la métropole, puisque le Conseil de développement n'a d'action que sur les territoires métropolitains. D'abord, on milite depuis notre création pour travailler avec les conseils de développement des autres territoires, et on le fait sur les mobilités et sur l'urbanisme, alors que les élus ont du mal à travailler avec les autres intercommunalités. Mais on pense aussi que, puisque le territoire de Toulouse Métropole fait l'objet actuellement de l'élaboration du premier PLU intercommunal, les élus sont assez perdus avec le passé de l'échelle de leur commune à une échelle intercommunale globale, 37 communes. Et donc, nous, au Conseil de développement, on milite depuis longtemps pour que le dialogue et l'élaboration des documents d'urbanisme se fassent autour de quelque chose qui a un sens, c'est l'eau, et donc il se fasse autour des bassins versants. Et il se trouve que la métropole a 4 bassins versants, la Garonne, l'Erse, le Touche et l'Ossonel. Ces bassins versants ayant l'intérêt d'avoir un caractère intercommunal, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas aux limites de la métropole, mais dans le Sicoval, l'Erse se prolonge, dans les territoires au sud, les autres bassins versants de la Garonne, du Touche et de l'Ossonay se continuent, je dirais, sur des territoires appartenant aujourd'hui à d'autres intercommunalités. Le premier enjeu, si on veut effectivement avoir une stratégie nourricière pour l'agglomération, c'est la question d'arriver à pérenniser les espaces naturels et agricoles. On ne s'intéresse pas seulement aux espaces agricoles, mais aux espaces naturels et agricoles. D'abord parce que le pérenniser et faire en sorte qu'il le soit vraiment, c'est un signal fort qu'il faudrait que les élus envoient. Et pour les pérenniser, il existe un certain nombre d'outils de protection existants et on espère que dans le SCOT, dont la révision commence maintenant, on va se mettre enfin à utiliser des outils de protection des espaces naturels et agricoles. Et le PLU IH est en cours, il est en cours d'élaboration, il est passé à l'enquête publique et on n'a pas réussi encore
réellement à faire en sorte que les espaces agricoles soient protégés. Et les ambitions du PLU, qui est de consommer seulement 10% de terres agricoles de moins que dans le PLU, que dans les PLU précédents, n'est, de notre point de vue, pas du tout à la hauteur des enjeux de cette agglomération. Donc, il y a une stratégie à volontariste à mettre en place qui passe par l'acquisition foncière. Il faut que, dans cette agglomération, on se mette à acheter des terrains pour ne pas les bâtir. Aujourd'hui, il y a effectivement un institut foncier, mais qui consacre son argent essentiellement à acheter des terres agricoles pour les construire. Et il faut qu'une part, en tout cas, de l'inverse commence à arriver. Il nous semble nécessaire de créer une agence pour la protection et la valorisation des espaces naturels et agricoles. Et il faut encourager absolument toutes les initiatives citoyennes, pas seulement une petite subvention de temps en temps au hasard, mais une stratégie d'encouragement et de soutien du tissu associatif, compte tenu, je dirais, du retard, c'est en tout cas notre analyse, pris par cette métropole sur la question de cette terre fertile. Donc le CODEV a proposé un nouveau contrat territorial donc aux 37 communes pour inventer un projet innovant d'échelle métropolitaine, et se tourner vers Montpellier serait une excellente idée. Faire se rencontrer l'offre de toutes ces initiatives de semeurs un petit peu avec la demande des consommateurs, des consommateurs. Cette rencontre-là commence à être organisée par quelques cantines, par exemple, et des grosses cantines, mais elle n'est pas systématique et il faut l'organiser. Il faut donc, tout à l'heure, on nous a bien expliqué comment on pouvait faire émerger une gouvernance alimentaire à l'échelle d'une métropole. Et il nous semble, dans une métropole qui aujourd'hui se préoccupe de classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, il est temps, de notre point de vue, qu'il y ait une vraie dynamique identitaire, de l'identité. Qu'est-ce que c'est que l'identité de Toulouse et de sa métropole? Et voilà, il se trouve que 3 ans après ce travail, le Conseil de développement n'ayant qu'un pouvoir d'influence, on ne peut que constater que ce pouvoir d'influence a été relativement faible. Il y a des choses qui ont bougé, il y a des élus qui se bougent, il y a des services qui se bougent, mais on n'est, à notre avis, pas au bon rythme. On n'est pas encore à installer les territoires fertiles au cœur du projet métropolitain. Pour ceux qui sont intéressés, il se trouve que la métropole vient de sortir une plaquette qui s'appelle le projet métropolitain. Elle vient de sortir il y a quelques semaines. Vous verrez tout de suite en la lisant que la question alimentaire en particulier n'est pas au cœur du projet métropolitain, en tout cas n'y est pas encore. Il nous semble qu'il faut bien sûr expérimenter des démarches entre tous les acteurs, bassin versant par bassin versant. Il faut construire un véritable projet économique et social, et il faut traduire, et malheureusement c'est pas ce qu'on est en train de faire, ce projet dans les documents d'urbanisme. Alors, je sais que mon temps de parole est pratiquement terminé. Moi, je suis membre du Conseil de développement depuis de nombreuses années. J'en vois bien les limites. Et donc, sur cette question de faire avancer la question des terres fertiles au sein du projet métropolitain, bien, je me suis mis à militer ailleurs qu'au Conseil de développement, puisque ça me paraît largement insuffisant. Donc je suis rentré
dans une association qui s'appelle Terre de Liens. Et puis, avec quelques autres, dont plusieurs sont présents dans la salle, on a créé un collectif de citoyens qui s'appelle Terre Fertile. C'est très clair. Alors, comme on va vous en parler cet après-midi, il n'y a pas de problème, je ne vais pas vous en parler ce matin. Mais je fonde personnellement beaucoup d'espoir sur ce qui se passe de ce côté-là. Pour Terre Fertile, je n'en parle pas. Au sein de Terre de Liens, il a été créé depuis quelques mois un système de citoyens veilleurs de terre. Donc là aussi, vous avez de la documentation là-dessus. Il s'agit d'exercer une veille foncière citoyenne et d'engager les citoyens dans l'installation d'agriculteurs bio à proximité des lieux de consommation. Donc c'est un travail très intéressant parce que une trentaine de bénévoles sont engagés là-dedans et ils commencent à trouver dans l'agglomération toulousaine deux types de terres, en dehors du fait que c'est des terres qui sont capables de porter un projet de ferme agricole ou de toute autre activité de cette nature. Mais ce sont des propriétaires qui souhaitent effectivement que leur propriété foncière soit convertie au bio. Et puis on a d'autres types de propriétaires dont on parlait tout à l'heure avec Frédéric Coulon, qui aimeraient bien que leur terre ne s'enfriche pas et hésitent à en confier la gestion à des agriculteurs. Y a beaucoup de gens qui sont au bord du chemin, mais potentiellement, il y a un foncier très, très important dans cette agglomération. Et je finirai par ce par quoi j'ai commencé pratiquement. Il existe des territoires vraiment qui sont des territoires avec de vastes surfaces inondables, donc inconstructibles, tant mieux. Il faut en faire des territoires de projet autour, effectivement, de l'agriculture, mais également des jardins partagés autour d'activités de loisirs, d'activités éducatives, pédagogiques. Il y a vraiment un potentiel extraordinaire voilà, tout ça me paraît encore largement possible, à condition d'avancer au même rythme que Montpellier.